Bonjour et bienvenue pour cette toute dernière émission musicale au château de Champs-sur-Marne. Aujourd'hui, nous avons posé nos caméras à l'étage dans le salon de musique. Cette pièce abrite, rendez-vous compte, un piano d'époque. Il date de 1874. Pour en jouer, nous accueillons le pianiste Quentin Sirjac. Il nous interprète l'une de ses compositions, Aquarius. Bonjour Quentin. Bonjour Louis. Quelle est ton impression sur ce piano pour commencer? Rappelons-le, il date de 1874. Oui, plutôt bonne. Écoute, on sent que c'est un piano un peu d'une autre époque au niveau du son, de la mécanique, de la dynamique. Mais non, il a une belle sonorité, notamment pour tout ce qui est assez feutré, assez doux. Ça m'a bien plu. Parle-nous du morceau que tu viens de jouer, rappelons le titre, Aquarius. Oui. Quelle était ton intention en créant ce morceau, l'univers que tu as voulu créer? Écoute, c'était un mélange de deux sources, si je puis dire. Il y avait des recherches sur un motif comme ça, rythmique, une sorte d'ostinato en 7-8, qui est un rythme pas très habituel, une mesure impaire, qu'on peut
qu'on peut entendre dans les musiques des Balkans, ou, mais qui n'est pas très familier de la musique classique ou même de la musique pop actuelle. Donc il y avait cette recherche comme ça sur cette métrique et ce rythme, et qui est tout d'un coup rentré en résonance avec une mélodie plus d'inspiration folk ou quasiment pop, une mélodie assez simple qu'on pourrait entendre voilà, dans les morceaux guitare-voix, assez accessible. Simple. Accessible. Exactement. Ambiance différente pour le deuxième morceau, « Car je cherche le vide », c'est ouais. Le titre. Une impression de liquide, comme tu as pu me le décrire tout à l'heure, vraiment de laisser les gens pouvoir s'approprier un petit peu l'univers que tu leur proposes. Oui, c'est vrai que c'est un morceau qui est plus ancien, que j'ai arrangé, donc j'aime toujours le jouer. Mais il y avait dans ce morceau quelque chose d'assez suspendu, d'une musique qui est un peu évanescente, qui est très aérienne, avec plein de différentes densités dans le morceau, mais avec toujours cette idée d'une forme de musique en suspens et qui n'a pas vraiment une directionnalité comme le morceau précédent, qui est plus atmosphérique. Très bien, et eh bien écoute, on découvre ça tout de suite, car je cherche le vide, c'est à toi.